Bonjour à tous, Ekoudia Delis avec vous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose encore une fois la recette des épices pour thé au lait. Donc, pour la réaliser, il vous faudra de la cardamome, du cannelle, de la cannelle, des clous de girofle, de la noix de muscade, un tout petit peu de poivre et du gingembre en poudre, mais je vais en mettre après. Le poivre, je n'en mets pas du tout. Donc, on va faire griller le tout. Donc, on les fait griller un tout petit peu. Ensuite, on va les laisser refroidir et les passer au mixeur. J'ai rajouté un peu de gouttes de vanille. Moi, j'utilise celle-là. La vanille des Comores. C'est un peu cher, mais ça en vaut le coup. C'est la vraie vanille, en fait. Vous pouvez la garder longtemps et ça garde la fraîcheur. Ça ne dessèche pas du tout, du tout, du tout. Oh, ça commence à sentir trop bon. C'est parce que j'ai rajouté la vanille. Donc là, c'est bon. J'ai fait que 10 minutes. J'éteins et je laisse refroidir. Ensuite, on va mixer le tout. Donc voilà, on va mixer le tout. On va les réduire en poudre. Donc là, j'ai ma poudre. Je vais juste le passer au tamis. Donc voilà mes épices à thé. À thé au lait surtout. Mais je vais les utiliser aussi pour le thé noir. Mais ça, c'est plus particulièrement pour le thé au lait. Donc voilà, j'espère que la recette vous a plu. Il y a encore... Je pense que c'est la deuxième recette que je fais, la deuxième vidéo. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter du poivre. Donc là, je vais juste rajouter le gingembre en poudre des Comores. Ça, c'est les épices Kumbara, de la marque Kumbara. Donc je rajoute une cuillère à soupe de gingembre, je vais mélanger le tout. Et voilà! Je vais vous montrer un tout petit peu ma déco, là où je mets mes épices. Donc là, c'est des épices que j'avais ramenées de La Réunion. C'est comme ça que je conserve mes épices. Je ne sais pas, vous, vous les faites comment. Et voilà mon trépied. Hola, ciao, ciao.